Bien oui, bienvenue sur Thé Éternel. Ce 1er novembre, vite W6 de M17. Tout ira bien dans l'espace-temps, enfin presque. Déjà le 1er novembre, bah, Halloween, je trouve ça complètement con. Bon, les gosses sont contents, mais complètement con. Après, en plus, j'étais français avant d'être américain. Enfin, bref. C'est pas pour dire ça. Bon, les pigeons, ils vont faire un toc toc toc. D'abord, ils se foutent une pelle. Les pigeons, d'abord, ils se roulent des pelles. Faut pas croire. Bonjour. Bon, tout ça pour dire quoi? Une deuxième semaine de réveil de l'esprit. Enfin, d'essai, de tentative. C'est noosphérique, c'est autre chose, pas comme vous croyez. Alors, puis quand t'es pas mort, t'es pas mort. Il y a un esprit qui vit en toi. Réveil de l'esprit, c'est ça que ça veut dire. Bon. On ne te cloue plus de nos jours. Ça, ça peut aller. On ne te brûle plus pour hérésie. Ça peut aller. Après, c'était quoi, la guillotine? Bon, on guillotine plus, ça peut aller. Enfin, ça dépend, hein. Ça dépend. Bon. La chaise électrique, il n'y en a plus non plus. Bon, maintenant, il y a les cachetons, il y a les benzodiazépines, il y a la camisole chimique. Et moi, j'étais là pour le réveil de l'esprit, tu vois. Quand même crise de nid, je suis chef d'état d'âme, mais... 48 ans, 4 mois et 4 jours. Il est 4, hein. Comment réveiller vos esprits morts? Bah, c'est la deuxième semaine. Alors le mercredi, bah, on est en dos. Là, on gratte le dos. En système du disque monde. En fait, ce que je vois, c'est qu'on programme tout le monde comme de la merde, et ça devient de la super merde. Il faudrait interdire la télé, il faudrait mettre, je sais pas, un petit coup de règle sur les doigts à l'école, des balles dans la gueule, quand même. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est l'inéducation nationale. Le ministère de la Justice, c'est totale injustice. Bon, ça a toujours été des lois de riches, votées par et pour les riches et avec les riches. Pas compliqué. Pour ça, maçonnique sa mère, je dis pas qu'au bas étage, il y en a, ils sont très bien. Et les francs-maçons, ils sont très bien. Mais en haut, 33e étage, il y a un problème. Ça charcute des gosses, ça, je sais pas, ça bouffe du singe, du crâne de singe vivant, ça, ils sont bizarres. Les rituels maçonniques sa mère, hein, c'est bizarre. C'est surtout parce que c'est secret, hein, Bilderberg. C'est trilatéral, c'est tout ce que tu veux. Non, 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 non. Hier, on s'était posé les bonnes questions. Aujourd'hui, c'est un gros point d'interrogation. Comme tous les mercredis, tu joues en dos. Ça me gratte le dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un gros point d'interrogation. C'est comme si t'en as marre d'être dans un mensonge collectif où seul l'argent est roi. Le FMI, là. Non, mais t'imagines que si le DSK il avait pas cassé la boîte noire, et il aurait été président à la place de Poupon. Et maintenant, on a droit à du Macron en boîte sur Rothschild, élu sur 2 tours à 70% d'abstention. Ça veut dire qu'il n'y a pas un mec sur 10 qui a voté pour cet enculé. Moi, je peux pas le saquer, lui. Si je le vois, je mets un coup de boule, c'est obligé. Comme quand je voulais mettre une tarte à Ciotti ou à Escrozzi, c'est pareil. Pour le tramway, là. Voilà, voilà. Alléluia, les choux sont gras, et voilà, voilà. Dans les ruelles des morts. Là, c'est pour réveiller les morts vivants que vous êtes, en fait. Il y a un esprit dans le bocal, bordel. S'il n'y en a pas, bon, bah, c'est foutu.
prends ton exo, prends ton benzo, prends ton machin et va te faire enculer. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui, pour la rédemption, il n'y a pas là que... Bon, bah, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, je suis déjà mort 14 fois. Je viens du 4-1 que je te dis. Voilà, 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 les nouvelles du front. J'étais gardien. Chevalier galactique temporel. C'est compliqué, hein. Faut mettre du gasoil dans le tracteur, sinon il démarre pas. Hein. 9 ans que j'ai pas pris un cacheton. On me disait un bon coup, fumer un bon joint, ce serait la teuf. Il n'y aurait plus une pharmacie d'ouverte, industrie pharmaceutique, morceau d'enculerie aussi ça. Peut-être vous servez un système, mais c'est pas le bon système. Les fiches de paye, les fourmis n'ont pas de fiche de paye, je pourrais le répéter 250 000 fois. Et pourtant il y a du boulot pour tout le monde. Et là on met tous les machines au pouvoir, on met tous les... En fait, c'est contre la numérisation de l'âme. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas l'âme à l'école. Un problème. Et sa résonance. Par contre, on apprend que de la merde, et que de la télé, et que des trucs pour vendre, et que de la pub de merde. Si t'as besoin de faire de la pub, c'est que tu vends de la merde. Sinon, ça saurait si ton produit est bon. Non ? Un peu de matière grise dans le disque mou, quand même. Pourquoi, toi ? Bon ben voilà, c'est un envoyé spatial pour t'éternel. Reporter sans glacière. Patché Salut, Inchalamel, Iraim, Mazel Tov. Et puis il y en a pour tout le monde. Catolman, le Catolman. Spider-Man, il a tata Tante May. Et Catolman, il a tata l'oracle. En fin de vie, j'espère qu'elle verra la... Le grand jour de l'insurrection pacifique, de la révolte planétaire. On va mettre les compteurs à zéro, bordel. C'est comme ça, puis c'est tout. Et voilà. Moi, le bon Dieu, il me parle comme ça. Directeur d'induction d'énergie universelle. Par contre, le diable, il fait que de la merde. Directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. C'est pas compliqué. Tellement simple. La vérité est toujours devant tes yeux. Tu poses une question, tu sais pas, quand le premier à côté de toi, il aura la réponse ou il va te dire un indice qui va t'amener sur la réponse. Et maintenant, il faut vouloir chercher la vérité aussi. Le premier qui dit la vérité, il doit être glorifié. Béni soit celui qui parle au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux, et Europe. La ruelle de mort. Mais pas vous faites que de la merde sur terre. Vous vendez que de la merde. Non, vous êtes des merdes. Pour expliquer, des trous du cul sur pattes, mais qui ont rien compris de la vie. Bon, c'est pas grave.